va faire une toute petite présentation des organisatrices. Donc, je suis Odile Chatienne-Chuilly, je suis chercheuse en littérature et je m'intéresse à comment les scientifiques écrivent leur vie. Et Catherine, qui est ici présente, est chercheuse en physique et elle cherche également les occurrences de la science dans les romans de littérature généraliste, donc pas forcément la science-fiction, mais plus généralement, et de la science dans les romans de littérature généraliste. Il y en a, mais il y en a peu. Et donc, c'est d'un de ces romans qu'on va parler ce soir. Grand chose de ce que j'ai dit, je pense qu'on pourra en discuter. Et la deuxième casquette d'Antoine Bio, donc, est la casquette d'écrivain, puisqu'il a publié depuis 2003 11 ouvrages, romans et essais, notamment chez Gallimard, mais également aux éditions Arléa. Et donc, je le rappelle, le livre dont nous allons parler ce soir s'appelle « La conjecture de Syracuse » et a été publié en 2008, donc il y a quasiment 15 ans, ce qui va aussi modifier peut-être ce que son auteur pourra en dire. Et je vais laisser Catherine présenter. Présenter José. Alors, José, c'est un physicien, il est spécialiste d'un champ de recherche dont le nom sonne beaucoup mieux en anglais, parce qu'en anglais, on dit « soft matter », ça fait vachement bien. Alors qu'en français, ça se dit matière molle. Bon, c'est comme ça, on est tombé dedans, c'est aussi ma spécialité. Alors plus précisément, José, depuis son premier stage de recherche, alors à l'époque, c'était on présentait ça comme un des fleurons de l'industrie française, ça s'appelait Ron Poulenc. Depuis, ça a changé plein de fait de nom, donc ça, c'était ton premier stage. Après, Ron Poulenc, c'est devenu Rodia, et Rodia, t'as fait ta thèse, peut-être pas chez Rodia, mais enfin, en tout cas, très étroitement avec Rodia. Et maintenant, je n'arrive pas à me mettre en tête comment ça s'appelle. Mais en tout cas, toujours depuis ce temps-là, tu as travaillé sur la capillarité. Et la capillarité, c'est le rôle des surfaces liquides dans de nombreux phénomènes. Ensuite, José, tu es parti faire des recherches au MIT, à côté de Boston. Et puis, tu es revenu à Paris et maintenant, tu es professeur à l'ESPCI, en plein milieu de Paris. Et tu continues à œuvrer dans la capillarité, plus largement dans la déformation d'objets mous. Alors, ce qui est rigolo, c'est que capillarité, c'est un mot qui vient de capillaire. Et capillaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire fin comme un cheveu, donc quelques dizaines à centaines de microns. Parce que c'est la taille à laquelle ce type de phénomène auquel tu t'intéresses commence à être sensible. Et on appelle ça capillarité parce que l'exemple le plus connu, c'est l'aspect des cheveux. Les cheveux, on sait à quoi ressemblent les cheveux quand ils sont secs. Quand ils sont mouillés, ils se mettent en grappe et c'est la capillarité. Donc, c'est vraiment le mot générique. Et là, on est vraiment déjà complètement dans le vif du sujet. Exactement. Alors, oui, si je continue à donc expliquer un petit peu le point de départ de cette rencontre, c'est en fait, c'est une page dans le roman d'Antoine qui décrit une expérience de physique. Et quand j'ai lu ce roman, j'ai tout de suite reconnu l'expérience parce que je la connaissais bien, je connais bien José et je sais ce qu'il fait. Et ça m'intéressait énormément parce que ça fait longtemps que je cherche à identifier les romans dans lesquels il y a de la physique pour pouvoir les proposer en lecture aux étudiants. Et des romans dans lesquels il y a de la physique qui ne sont pas de la science-fiction, il n'y en a pas énormément. Donc c'est ça qui nous a donné envie que José et Antoine se rencontrent. Voilà, c'est ce que vous voyez. Et plus précisément pour qu'on comprenne ensemble comment la science et la littérature peuvent fusionner. Alors, la conjecture de Syracuse, pour faire très court, c'est un récit relativement caustique et sombre d'un choc frontal entre Thésaeus, qui est un mathématicien mandarinal qui est à la fois reconnu et pas forcément très apprécié par sa communauté de mathématiciens, et Hazard, c'est un jeune prodige mathématicien qui arrive d'Algérie pour un séjour de recherche. Et les deux travaillent sur la conjecture de Syracuse, ils sont plus rivaux que complémentaires. Et on va voir que le roman, il ne parle pas que de mathématiques, même si c'est l'histoire de mathématiciens, puisqu'il y a de la science qui arrive par moment, qui n'est pas uniquement physique. Donc, à plusieurs moments, il y a des phénomènes physiques qui sont évoqués. Et on va voir comment c'est amené par le premier contact entre Hazard, donc le jeune mathématicien prodige, et la fille de Thésaeus, parce que Hazard se retrouve logé par Thésaeus. Donc,
Odile va lire. Antoine qui va lire ce sens. C'est le passage dans lequel apparaît l'expérience de Ouais. En avançant dans l'atelier, il a la sensation de marcher sur un tapis très mou, élastique et instable, de dunes brunes, rousses et blondes. Une odeur forte de colle et de méthanol envahit ses narines. La vaste baie vitrée qui donne sur la rue Vanneau est opaque à force de poussière humide, de crasse et de poils agglomérés. Au fond d'une poubelle en fer, à côté du vieux lavabo en faïence, à présent reconverti en tablette de travail, il aperçoit un amas de calottes chaudes. Ce sont les restes synthétiques des perruques qu'elle utilise pour habiller ses créatures. On dirait des scalps. Partout, le long des vitres et des murs, recouvertes à l'aide de vieux torchons en toile de vichy rose ou bleu, des formes épanouies, grandes et petites, le plus souvent animales, avec un large tronc ovoïde, un long cou raide et à son bout une ou deux sphères plus ou moins régulières, semblent attendre qu'on les débarrasse de ces linceuls bicolores pour se réveiller et s'ébattre. Hasard n'en discerne donc que le support, tantôt simple comme un pied de lampadaire, tantôt double ainsi que les pattes d'un échassier. Au centre de la pièce, il découvre une sorte d'immense autruche d'environ 2 mètres de haut, une autruche monstrueuse avec des tentacules en guise de cou, au bout desquels pendent 2 têtes jumelles très éloignées l'une de l'autre. Il pourrait tout autant s'agir de la structure moléculaire de l'eau, le corps généreux de l'animal figurant l'atome d'oxygène et les 2 têtes ceux d'hydrogène. Mais ces atomes sont poilus, entièrement revêtus d'une pellicule pubescente, brune et rousse. Aurore regarde Hasard regarder sa créature, et il sait qu'elle attend un commentaire. Ses yeux scrutent son visage. Je ne sais pas trop quoi dire, ne me regardez pas comme ça. Il hésite. Cela me fait penser au problème de l'agrégation des cheveux en mèche. Alors, ce roman est comme l'atelier d'Aurore qui vient d'être décrit, assez foisonnant. Donc, il y est question de problèmes de physique, il y est question de problèmes de mathématiques, mais aussi de la guerre d'Algérie, d'art, de poils et de cheveux. Et alors, une première question, peut-être un peu générale, en espérant que vous aurez la réponse 15 ans plus tard, c'est quel a été le point de départ de ce roman. Alors, comme vous l'indiquez, justement, le fait que j'ai écrit ce roman il y a 15 ans ne fournit pas nécessairement la réponse immédiate. J'ai été moi-même tout à fait surpris. En fait, je l'ai relu donc, à l'occasion de cette rencontre, je n'ai pas pour habitude de rien venir. Et donc là, je l'ai relu et j'ai été effectivement assez surpris moi-même par la présence, l'omniprésence même, d'un certain nombre de références aux poils, aux cheveux. Et c'est une espèce de... D'où ça vient ? Je prenais quoi ? Pour être tout à fait honnête, je n'en sais rien. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un point de départ qui était donc le fil d'Ariane, puisque le personnage principal s'appelle Théséus. Théséus, c'est Thésée, qui a une histoire plus ou moins de Dédale quand même dans ce roman, et que donc il y a le fil d'Ariane, en sachant plus que la femme de Théséus, bien entendu, s'appelle Ariane. Alors ce fil, c'est un point de départ, le fil. Alors ce n'est pas tout à fait un cheveu, mais c'est au moins un point de départ. Ensuite, pour être en m'interrogeant, puisque comme vous m'avez envoyé des questions avant, comment y a-t-il autant de poils dans cette histoire ? Donc, je me suis posé la question, et il y a une image qui m'est revenue en tête, et je pense que c'est peut-être l'association de ce que je viens de dire sur le fil d'Ariane, et puis cette image qui a fait que quelque part, c'est une sorte de, je sais pas, d'écho qui résonne en permanence sur le fond du livre. Cette image, c'est dans un reportage que j'ai vu quelque part sur la guerre d'Algérie. J'ai appris à ce moment-là ce que j'ignorais, à savoir que les soldats français, pour savoir si les rebelles du FLN étaient passés dans un village particulier, l'un des moyens, c'était de relever les jupes des femmes pour voir si les sexes des femmes étaient tondus ou pas, puisque la tradition voulait que si les femmes allaient recevoir leur mari, elles se rasaient. Donc, il y avait une espèce de lien comme ça, puis j'avais été très, très choqué par cet élément-là. Et donc, c'est un élément qui est du reste dans le livre. Et donc, s'il y a un fil directeur dans cette histoire, c'est peut-être le lien entre cette image qui renvoie donc à la guerre d'Algérie et dans, peut-être même à la forme de crudité de la guerre d'Algérie. Et puis, une histoire donc, qui se renvoie cette fois-ci plutôt à une sorte d'imposture. Puisqu'en l'occurrence, donc, le roman commence sur le chapitre le plus long du livre, en fait, qui est une scène de torture, en quelque sorte,
dont tes élus, c'est censé être aspirant pendant la guerre d'Algérie, donc il se trouve à un endroit où l'un des chefs de Moulaya, les Moulayas, c'était des petites organisations militaires du FLN, vient d'être arrêté. Il se trouve que ce chef en question est un maître assistant à l'Université d'Alger en mathématiques, et que donc Tézimus lui-même est mathématicien, et qu'il a avant de se souvient que ce mathématicien algérien a publié une série de trois petits articles sur la conjecture de Syracuse, et d'une certaine manière, sachant que le personnage est dénué assez fondamentalement de tout sens moral, il se dit, après tout, c'est peut-être l'occasion, on ne sait jamais, donc il va interroger un peu très violemment ce mathématicien, non pas pour lui faire révéler des secrets politiques ou militaires ou je ne sais quoi, mais pour que ce mathématicien lui révèle en fait, lui explique exactement ce qu'il a trouvé au sujet de la conjecture de Syracuse. Et en plus, éventuellement, puisque à la fin du dernier de cette série d'articles, le mathématicien en question, qui s'appelle Isaac Hamer, est censé ouvrir la porte à une résolution de ces conjectures qui, à ce moment-là, n'est pas arrivée. Donc voilà, donc le Thésée se transforme en tortionnaire pour extirper une preuve mathématique à un mathématicien qui s'avère ailleurs dans le contexte de la guerre de l'HP être arrivé. Et 50 ans plus tard, donc ce jeune mathématicien alors, qui arrive chez Thésée. Voilà, 50 ans plus tard, le petit-fils de Isaac Hamer, donc le mathématicien qui a été torturé, le petit-fils qui lui s'appelle Hazar Hamer, et ce petit-fils, lui, qui est un prodige des mathématiques, comme ça arrive de temps en temps, vient avec une démonstration de la conjecture de Syracuse qui vient démontrer que la conclusion à laquelle le papier qui a rendu célèbre Thésée ce retour de la guerre d'Algérie est en fait erronée. Lui, il a réussi à trouver, dit-il, une preuve logique à cette conjecture pour laquelle Thésée ne proposait qu'une preuve statistique. Voilà, et donc toute la réputation de Thésée se met à trembler par l'arrivée de ce jeune prodige. Et en fait, le roman raconte que tout son univers, en fait, finalement, est en train de tomber autour de lui. Il n'y a plus que d'Hermine autour de lui à la fin. Voilà. Donc, le point de départ est un donc, résumé le point de départ, c'est le résumé du livre. Ouais. Merci. Alors peut-être que on va faire le lien tout doucement avec l'expérience de José, Catherine. Oui, donc l'expérience dont alors il y aura plus tard la description de cette expérience dans le livre, mais donc le problème de l'agrégation des cheveux en mèche dont parle Hazar à la fin de l'extrait qu'on a lu. Il existe vraiment, il a donc été traité par José et ses collaborateurs, mais bon, quand même, José. Et alors, certains d'entre eux. Donc, j'avais prévu que. Bon, en fait, c'était une conférence qui était ouverte au grand public. Donc, on se disait que ça serait intéressant et qu'un scientifique explique pourquoi il a eu l'envie d'étudier un certain problème, qu'est-ce qui en a tiré, et puis à quoi ça sert. Bon, mais cela dit, même si vous êtes tous des scientifiques, ça peut être quand même un truc de l'autre pour savoir. Et il y a des littéraires dans la salle. Ah, ça peut être. Donc voilà, l'idée c'était que José nous explique tout ça et qu'il fasse même une manip en direct. Ok. Et puis ensuite refaire le lien avec le roman. Bah, c'est parfait. Parler de comment on parle de science en littérature et dans le monde. Bah super, moi j'ai plus l'habitude de parler à l'aide de présentation, enfin de l'image. L'image pour nous est extrêmement importante, du coup, je vais préparer une petite présentation. Que voici. Hop. Alors, et du coup, l'idée c'est de se demander, des points qui m'a intéressé, c'est de comprendre pourquoi l'eau colle dans certaines situations. Et donc, c'est un travail que j'ai mené à l'ESPCI. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le contexte, l'environnement académique en France, c'est souvent assez compliqué dans un même laboratoire. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout la manière dont marche un laboratoire en France. Donc, souvent, c'est des unités mixtes. Donc, il y a des gens du CNRS, de différentes universités. Dans notre cas, il y a le CNRS, l'ESPCI, qui fait partie de Paris Sciences et Lettres. Mais on a aussi Sorbonne Université, Université Paris Cité, et en plus ça change tout le temps, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, c'est pour dire que c'est...
Voilà, c'est l'université Paris. Ouais, voilà, je me suis trompé. Ouais, j'ai pas pris le bon logo. Donc ça change assez souvent, mais c'est juste pour vous dire que voilà, ça peut paraître un peu complexe, mais en tout cas, ça montre qu'il y a une très grande diversité des gens qui font ce métier, et que dans un même endroit, on peut avoir il y a un côté très collaboratif puisque il y a différentes universités ou établissements qui vont s'associer pour faire un laboratoire. Alors, comment je me suis intéressé au poids de mouille? Alors, c'est pas en train de prendre mon chat dans l'eau. Moi, j'en descends dehors à Grenoble aujourd'hui. En fait, au départ, j'avais fait ma thèse sur l'eau qui colle pas, au contraire. Donc, je m'étais intéressé d'abord à l'eau qui colle pas. Et en particulier, je m'étais intéressé à essayer de comprendre comment faire des surfaces super hydrophobes, c'est-à-dire telles que si on met une goutte d'eau dessus, l'eau reste sous forme de perles, ou va même rebondir sur la lâche, ou va. Là, c'est un jet qui rebondit sur une feuille. Ginkgo biloba, c'est un arbre que vous trouvez de plus en plus dans nos villes, parce qu'il résiste particulièrement bien à la pollution. La photo de gauche, c'est une misère qui vient du Brésil. En fait, si vous regardez dans la vie tous les jours, il y a pas mal de feuilles qui sont très hydrophobes. La feuille de capucine, par exemple, est un exemple, ou les feuilles de chou, plus modestement, nous ont cité un exemple de feuilles très, très hydrophobes. Et donc, dans ma thèse, je m'étais intéressé à savoir pourquoi un matériau peut être aussi hydrophobe. Comprendre comment le rendre très hydrophobe, et puis essayer de voir si on pouvait essayer de limiter un petit peu la nature et de faire quelque chose synthétique qui est ce type de propriété. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir quelque chose qui est très hydrophobe, si on va regarder avec un microscope à quoi ressemble une surface très hydrophobe, on va voir que c'est. On pourrait se dire que ces surfaces sont peut-être très lisses parce que je sais pas, ça va améliorer le côté hydrophobe. Mais en fait, non, pas du tout. Ces surfaces très hydrophobes sont extrêmement rugueuses. Et donc ici, tout à fait à gauche, je montre un cliché d'une feuille de lotus qui est vue au microscope électronique à balayage. Et donc, on voit que c'est fait de petites bosses qui ont une vingtaine de microns. Donc, juste pour vous donner une échelle, un cheveu ferait la taille entière du cliché. Voilà la largeur du cliché, et donc c'est des petites bosses très fines. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, et ces petites bosses sont constituées d'une cire hydrophobe qui est à la surface de la feuille. Donc on sait que l'eau ne va pas trop, l'eau n'aime pas trop la cire. On sait que si on met de l'eau sur une surface, sur un ciré, on sait que l'eau a tendance à glisser sur le ciré. Et en plus, si ce ciré est très, très rugueux, en fait l'eau ne colle vraiment pas du tout et elle va même rebondir. Alors comment ça marche? En fait, ça marche un peu comme un tapis de fakir. Là, j'ai repris l'image de Quentin. Puisqu'en fait, l'eau, quand elle va, si on pose une goutte d'eau sur cette surface, en fait, elle va rencontrer des petits picots qui sont hydrophobes. Et donc, si elle rencontre ces petites pointes qui sont hydrophobes, elle n'a pas du tout envie d'aller pénétrer dans ces pointes. À condition qu'il y a cette pointe et qu'on ne voit pas l'eau avec une trop grosse, on ne voit pas la goutte avec une trop grosse vitesse. Et donc, la goutte va reposer sur cette espèce de tapis de fakir qui est composé, donc, ce qui. Voile en cire hydrophobe. Et donc, l'environnement de la goutte, au-dessus, c'est l'air, mais en dessous, c'est finalement aussi beaucoup d'air. Parce qu'il y a, entre les petits pointes hydrophobes, il y a de l'air. Donc, l'environnement de la goutte est essentiellement aérien. Et donc, si la goutte est entourée d'air, finalement, elle va prendre la forme qu'elle aurait si elle était complètement isolée dans l'air. C'est-à-dire une forme sphérique, à condition qu'elle soit suffisamment petite pour qu'on néglige le poids. Et pourquoi elle est sphérique? C'est parce que les forces de tension de surface, qui va minimiser la surface de l'eau, font qu'elle est sphérique. Voilà, donc ça, c'était les ingrédients. Et puis après, on s'est dit peut-être qu'on peut essayer de fabriquer ce genre de matériaux d'une manière artificielle. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui font pousser des nanotubes de carbone sur des plaques en silicium. Alors, ces petits nanotubes de carbone, c'est ce qu'on voit ici, encore sur ce cliché de gauche. Donc, on voit cette espèce de forêt de petits picots. Alors, c'est des choses extrêmement petites. Pour vous donner une idée grossière, l'épaisseur d'un cheveu ferait tout le trait bleu que j'ai symbolisé en bas. Donc, c'est une chose toute petite. Et on s'était dit, après tout, si le carbone, ça devrait être hydrophobe. Si je pose, comme la cire peut-être, si je pose une goutte d'eau là-dessus, eh bien, ça devrait être super hydrophobe et ça devrait rebondir si je lâche ma goutte. Et normalement, j'ai une petite vidéo là. Donc ici c'est vraiment une petite expérience que nous avons réalisée. Donc voilà, donc une petite goutte qui
serait. Le petit échantillon, on fait de ces nanotubes, cette surface recouverte de nanotubes de carbone. Quand on pose la goutte sur cette surface, eh bien, c'est pas du tout hydrophobe, en fait, ça s'étale. Il a complètement raté, donc c'est l'effet inverse, c'est pourri. Bon, après, on a quand même trouvé une solution, mais voilà. Et bien, en tout cas, ça n'a pas du tout marché. Donc. Et souvent, en science, ça enseigne la modestie, parce qu'on s'entend un effet, et assez souvent, en tout cas en science expérimentale, l'effet escompté n'est pas du tout celui qu'on attendait. Parfois, c'est l'effet inverse. Et donc après, on était quand même un petit peu déçus. On s'est dit, bon, en retournant dans notre microscope pour regarder pourquoi cette surface, qu'est-ce qui est arrivé à cette surface, puisque on s'attendait à ce que l'eau rebondisse dessus, en fait, l'eau s'est étalée. Alors, tu dois avoir une palette avec des crayons quelque part sur ton PC, là, et qui n'apparaît pas sur l'écran, mais qui. Ah, moi, je ne suis rien du tout. C'est peut-être un. Et alors, quand on laisse évidemment, cette surface est imprégnée d'eau, on laisse l'eau s'évaporer. Et lorsqu'on regarde à nouveau avec notre microscope électronique à balayage, quand on regarde à nouveau notre surface, on voit que nos petits picots qui étaient bien rectilignes, enfin, qui étaient bien plantés à la surface, se sont retrouvés formés des espèces de petits fagots, de petites mèches, qui ressemblent beaucoup à des cheveux mouillés. Et du coup, quand j'en ai vu ça, on s'est dit, ah, mais ça ressemble beaucoup à des cheveux qui seraient collés entre eux par de l'eau. Alors, de la même structure, quand on prend un peu l'âge, on tombe dans l'eau. Et du coup, on s'est dit, ah, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui va fixer la taille de ces mèches, de ce punk? On sent bien que si les cheveux sont très raides, ça va être plus difficile que s'ils sont souples. Ça va nous dépendre aussi. Là, on triche un peu parce qu'il n'y a pas que de l'eau, il y a du gel. Mais on sent bien que la cohésion du gel va jouer un petit peu. Donc, il y a peut-être un intérêt à. Enfin, en tout cas, une question de physique intéressante. Alors, souvent, quand on pose des questions de physique sur des objets comme ça un peu bizarres, ça fait un peu bizarre auprès du grand public de se dire mais est-ce que je vais faire. Est-ce qu'on va dépenser beaucoup de ressources pour étudier comment les cheveux d'un punk se collent. Alors en fait, ce même problème se pose sur des échelles beaucoup plus sérieuses, enfin, sur des implications beaucoup plus sérieuses, sur des problèmes d'ingénierie. En fait, si vous prenez un téléphone, vous savez qu'il y a des petits capteurs qui vont vous dire si le téléphone est à droite, à gauche, enfin, s'il est en haut, en bas. Et ça, c'est parce qu'il y a des petits capteurs qui sont capables de détecter dans quel sens est la gravité. Et alors ces petits capteurs, je vous passe les détails techniques, mais en fait, j'en ai illustré un ici. Ça ressemble à deux veines qui sont dans les brins sont très proches de l'un de l'autre. Il y a un veine qui est vraiment fixé sur le téléphone, et puis un autre veine qui est évidemment aussi fixé sur le téléphone, mais via un petit ressort. Et quand vous inclinez un peu ces veines, en fait, la partie qui est attachée à un petit ressort va un tout petit peu se bouger. On mesure une petite différence de propriété électrique, donc une différence de capacité. Et grâce à ça, on peut mesurer le déplacement relatif des brosses du pen sur l'autre. Et c'est comme ça qu'on mesure dans quel sens le téléphone est orienté. Bon, voilà, ça c'est pour le capteur. Mais comment on fabrique ces capteurs? En général, alors ici à Grenoble, il y a beaucoup de spécialistes de ce genre de technologie. C'est des techniques de microfabrication où on va graver dans du silicium ou dans d'autres matériaux. Ça peut être un matériau en polymère, tout sensible, comme dans l'image de droite ici. Où on va graver cette petite structure, donc qui sera à une échelle d'une fraction de millimètre. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus petite échelle. Et souvent, ces structures se retrouvent dans un solvant qu'il faut éliminer. Et quand on élimine le solvant, les forces capillaires vont entrer en jeu, les forces de tension de surface vont entrer en jeu, et peuvent venir écrabouiller les structures qu'on vient de fabriquer. Donc, dans le cas de droite, en fait, l'idée, c'est de faire fabriquer des ailettes parfaitement parallèles. Quand elles étaient immergées dans leur solvant, elles étaient parfaitement parallèles. Quand on a évaporé le solvant pour pouvoir utiliser ces petites ailettes, elles se sont écrabouillées en faisant cette petite faille. Voilà, alors du coup, tout ça a été très intéressant, mais moi je ne connaissais rien du tout à ce moment-là, je ne connaissais rien du tout au problème de. Mon domaine c'était les petites gouttes, moi, je ne connaissais rien du tout à la mécanique du solide. Et comment on va résoudre le problème? En fait, pas tout seul. Donc ça aussi, c'est pour les gens qui ne sont pas habitués à la manière dont on travaille dans un laboratoire. L'image du scientifique qui travaille tout seul, un peu fou qui travaille tout seul dans son laboratoire. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout l'image que je connais du scientifique. Donc, pour nous, c'est toujours du travail en équipe. Et donc, quand on a une question à laquelle on ne sait pas répondre, on va demander à un collègue qui a des compétences complémentaires pour voir s'il ne peut pas nous aider.
Donc là, mon collègue, en l'occurrence, c'était Benormand. Donc ça a été le démarrage d'une grande histoire d'amitié et de science. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Qui, lui, était spécialiste des structures lancières. Alors, typiquement, une structure lancée, ça passe, par exemple, la perche, ici, de Renaud Lavillenie, qui fléchit, qui est très longue par rapport à son diamètre, et donc qui a la capacité de fléchir et ainsi propulser le perchiste. Donc voilà. Donc, Benoît n'est pas forcément un spécialiste de soi la perche, mais en tout cas, il est un spécialiste de la mécanique des structures élancées. Et donc, on s'est dit, mais finalement, pour comprendre comment ces petites mèches se forment, comment ces cheveux se forment entre eux pour faire des petites mèches, bien peut-être en jumelant nos deux compétences. Lui, il ne connaissait pas tout comme les poids, il est en train de faire des bulles de savon. Lui ne connaissait pas trop les problèmes de capillarité. Moi, je ne connaissais pas trop la mécanique. Et donc, ensemble, on s'est attaché à ce problème. Et voilà notre expérience qu'on a réalisée. Et bon, tout simple. Ici. Donc, ça, c'est même une vraie expérience scientifique. On a publié avec cette expérience modèle. Donc, évidemment, on n'a pas été prendre un chien qu'on n'est pas allé tremper dans l'eau pour aller faire des expériences dessus. Nous, ce qu'on aime, c'est faire des expériences modèles qu'on peut reproduire et qu'on peut contrôler tous les paramètres. Donc, on a réalisé des petites brosses. Alors, c'était vraiment, je pense, l'expérience la meilleure marché que j'ai faite de ma vie. Donc, ici, on a une centaine de lames de microscope. Entre ces lames de microscope, on a mis des petites languettes qui sont coupées dans des feuilles de transparence. Donc, c'est un petit peu laborieux, je vous l'accorde. Et donc, tant que cette brosse artificielle est sèche, on met les petits poils sont bien séparés les uns des autres. Et puis, on va venir la tremper dans l'eau. On va la tremper dans l'eau, on la ressort et là, on voit que ça fait. Il y a des mèches qui se forment. Et alors, si on regarde un peu plus en détail, peut-être une photo, ouais, bah, peut-être c'est plus apparent sur la photo. En fait, on voit que ces mèches ont une propriété intéressante, c'est qu'on voit que une grosse mèche, en fait, on voit qu'une grosse mèche est composée du collage de deux mèches plus petites, qui elles-mêmes sont composées du collage de deux mèches plus petites, qui elles-mêmes, et ainsi de suite. Donc, il y a un côté séquentiel dans la formation de ces structures qui vont, quand on est près de la racine, de choses qui se collent en gros deux par deux. Et puis, plus on va loin de la racine, les choses qui les paires vont se coller pour faire des quadruplés. Alors, parfois, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des triplés qui se forment entre temps. Mais on a des structures qui vont de plus en plus grosses, qui vont se former de plus en plus loin de la racine. Et en fait, ça, c'est un phénomène. Alors, ça peut même rappeler un petit peu ça peut presque rappeler une série mathématique où on a des objets qui s'associent deux par deux. Plus on va dans la longueur de la série, plus on a des objets de plus en plus gros. Donc, c'est un phénomène de coalescence. En fait, c'est un peu le même phénomène, d'une certaine manière, qui se passe dans un nuage quand il y a de la pluie qui se forme. Vous démarrez de toutes petites gouttes qui se collent entre elles pour former des gouttes plus grosses, qui vont se coller avec des gouttes un peu plus grosses pour former des gouttes encore plus grosses. Et au bout d'un moment, elles deviennent trop lourdes et elles tombent. Et donc, on a de la pluie comme on a aujourd'hui. Donc, finalement, si on remplace, ici, c'est au l'évolution de structure petite en structure grande se fait au cours de l'espace. Dans un nuage, ça se fait au cours du temps. On a des objets petits qui se collent entre eux pour rendre un plus gros et donner de la pluie. Il se passera par exemple la même chose dans votre vinaigrette. Vous démarrez avec une émulsion bien préparée, une vinaigrette bien préparée. Puis si vous la laissez plusieurs heures, vous verrez que l'huile et le vinaigre se séparent un peu de la même manière. Voilà. Et donc, vu que l'ingrédient de base, c'était de comprendre comment deux objets d'une certaine rigidité se collent deux par deux, eh bien, on a essayé de comprendre le mécanisme élémentaire, qui était d'avoir deux poils uniques qui se collent deux par deux. Donc, quels sont les ingrédients physiques? Il y a le fait qu'ils soient mouillés, il y a un certain collage. Pour coller ces deux structures, il va falloir les déformer. Comme c'est des structures élastiques, ça va avoir un certain coût à déformer cette structure, et donc il y a une espèce de bras de fer qui se fait entre l'eau qui veut coller les poils qui sont rigides, qui veulent résister, et donc il y a un bras de fer qui se fait entre eux, et qui va dicter la longueur de collage que l'on tire ici. Voilà. Et donc, à partir de là, à partir de cette expérience avec les poils, on a un peu dérivé cette expérience, et une expérience qu'on a aussi réalisée, c'est de savoir ce qui se passe si on pose une petite goutte d'eau. Alors ici, c'est une bulle sur une surface flexible. Est-ce que finalement une petite goutte peut déformer une surface? Eh bien, si la surface est suffisamment flexible, donc ici, c'est une feuille coupée dans la couverture de survie, donc c'est quelque chose d'assez fin, donc assez souple. Si on pose une bulle dessus, si on arrive à croître une bulle dessus, une bulle de savon ici, dans ce cas-là, eh bien, la petite fleur va se refermer. Donc ici, je vous ai mis des illustrations
de Daniscope qui sont, alors, pas du tout de prétention littéraire, mais aussi participé à l'écriture d'un livre de vulgarisation scientifique. Ça fait du merveilleux caché dans le quotidien. Peut-être qu'on en parlera après, je pense. Et, mais je peux juste vous parler des auteurs. Donc, c'est une quarantaine de petits chapitres sur des phénomènes physiques de la vie de tous les jours, vraiment des phénomènes de la vie de tous les jours. Ça, c'est notre fil conducteur. Et qui a été réalisé, donc, avec mon collègue de toujours, Benoît Roman, Étienne Ressac, qui nous a rejoint un peu plus tard, et Étienne Huyant, qui était prof émérite au laboratoire, et qui nous a aussi beaucoup embarqué dans les aventures de diffusion scientifique, avec des belles illustrations de Naïs. Voilà, donc c'est un total d'encheminement de chercheur. Alors donc, il y a l'expérience de José. Alors c'était en quelle année, à quelle période? Alors, cette histoire de chevaux mouillés, c'était en 2004. En 2004. Ouais, ouais. Et donc en 2008, on retrouve une référence dans le livre d'Antoine au problème de l'agrégation des chevaux mouillés. Donc il me semblait que voilà, José avait une question qui était... peut-être une question à poser à Antoine. Ah ben, oui, évidemment, c'est comment les vols mouillés se sont retrouvés dans un roman sur la guerre d'Algérie et la conjecture de Syracuse. Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, comment j'ai mis le vent, alors que je ne suis pas physicien. Oui, c'est ça. La chose, c'est dans l'un de mes domaines sur lequel je travaille, il y a un problème qui est l'agrégation des préférences. L'agrégation des préférences, c'est quand les gens ont des opinions différentes et qu'ils vont prendre une décision plus grande. Comment ça se passe, sachant que les gens peuvent avoir des opinions différentes et qu'en cas d'hétérogénéité des préférences, c'est très compliqué. Donc, les économistes, depuis très longtemps, il y a un théorème fameux, le théorème de Darboux-Poisson-Fontenot, qui dit que la seule façon d'agréger correctement les préférences des agents, quand on représente les préférences par une relation binaire, ordinale, la seule façon, c'est de prendre un individu au hasard et de dire que le groupe aura les mêmes préférences que cet individu qu'on a pris au hasard. Ce qu'on appelle ce théorème, le théorème du dictateur. Donc, je suis intéressé par le problème de l'agrégation. Et alors, je sais de la reconstruction, mais je pense que je suis tombé là-dessus parce que de temps en temps, je vais regarder dans d'autres domaines que le mien ce qui se passe en termes d'agrégation. Et l'agrégation des cheveux est a priori une façon éventuelle de regarder les choses. Alors, ça ne m'a pas inspiré du point de vue scientifique, mais en revanche, j'ai conservé ça en mémoire dans la vie. Voilà, ça, c'est pour l'origine de la raison pour laquelle je connais cette histoire. Maintenant, pourquoi j'y ai pensé En fait, ça rejoint la question qu'on avait tout à l'heure, qui est celle pourquoi y a-t-il cette espèce de fil d'arrière sous forme de cheveux tout au long du livre. Si je suis tout à fait honnête, je suis obligé de vous dire que je ne sais pas. Et puis, si je bricole un peu, ben, je vous ai donné la réponse tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, c'est des images qui se sont associées, c'est des espèces de coïncidence entre une préoccupation à un endroit et une préoccupation à un autre. Et puis, ça, là encore, ça s'agrège de manière un peu étrange, c'est comme ça. Voilà, toujours les idées de l'agrégation. Alors, on va peut-être rester encore un petit peu sur votre roman avant de revenir au livre de José. Donc, ce qui nous intéressait avec Catherine, comme vous l'aurez sûrement compris, il y a énormément de choses dans ce roman, mais parmi tous les fils qu'on pouvait tirer, c'était comment on met en récit les sciences, la vie et l'expérience des scientifiques. Ici, la vie et le travail des mathématiciens sont à l'origine de tensions ou de conflits, mais les mathématiques se mêlent aussi à l'histoire, à la guerre, à l'histoire militaire. Donc, on a eu un grand résumé par Antoine. Alors, peut-être une question qui nous sort de la physique et on revient aux mathématiques, c'est pourquoi le choix de la conjecture de Syracuse comme élément nœud clé dans la relation entre les personnages et qui donne son titre au livre. Alors, en revanche, là, c'était un vrai choix, c'est pas alors, peut-être que d'abord, il faudrait rappeler ce que c'est que la conjecture de Syracuse. C'est pas très compliqué. Non, c'est pas très compliqué. On prend un nombre, si on prend 1, c'est impair, on multiplie par 3, on ajoute 1. Donc, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Quand il est pair, on divise par 2, ça fait 2. Quand il est pair, on divise par 2, ça fait 1. Donc, si je fais la même chose pour 1, on va faire pour 2. Donc, 2, c'est pair, donc ça fait 2, 1.
3, c'est impair, donc ça fait 3 fois 3, 9 plus 1, ça fait 10, c'est pair, c'est divisé par 2, c'est 5. 5, c'est impair, donc on multiplie par 3, ça fait 15, plus 1, ça fait 16. On divise par 2, ça fait 8, on divise par 2, ça fait 4, on divise par 2, ça fait 1. En gros, au bout d'un moment, il y a toujours un puits d'attraction 4, 2, 1. Et quel que soit le nombre à partir duquel on part, ça se promène. Alors, il y a des tas de littératures tout à fait considérables sur ce qu'on appelle le vol, différentes étapes par lesquelles on passe avant de retomber finalement dans ce puits 4-2. En voyant cette conjecture, je sais plus très bien, voilà, en l'occurrence, moi, je suis tombé dessus, j'en sais rien, enfin, bon, bref. En la voyant, ça faisait absolument penser très rapidement à un vol d'Icare, d'où Thésée, d'où Ariane, dont donc une partie de l'organisation du texte. Et puis, par ailleurs, c'était, ça me semblait-il, une espèce de métaphore de l'existence qui était, voilà, qui me paraissait assez, assez opportune. Parce que ça monte, parfois ça redescend, puis ça remonte, ça passe par des paliers, ça repasse éventuellement plusieurs fois au même endroit. Enfin, bref. Donc, il se passe plein de choses pendant le vol du nombre vers le puits 4 dehors. Et donc, toute cette espèce de variété d'éléments, peut-être que ça termine toujours au même endroit. Mal dans le puits 4 dehors. Ça me paraissait une métaphore relativement sympathique. Alors, pour rajouter un petit élément et relire un extrait du livre, donc, toutes ces explications sont données aux pages 41 à 43 du roman sous la forme d'un format qu'on retrouve à plusieurs endroits dans le roman. Donc, entre les chapitres qui racontent l'histoire de Théséus et Hasard, il y a une sorte d'intermède presque documentaire sur des phénomènes ou des concepts mathématiques ou physiques. C'est en italique. On a le chat de Schrödinger, l'origine de l'algèbre, la question des cheveux mouillés, et puis quelque chose sur la conjecture de Syracuse. Et ça finit par un paragraphe que j'ai trouvé très intéressant parce que vous y faites le lien en fait entre les mathématiques et la narration. Je vais le lire et puis ça va peut-être s'éclairer. Ainsi, le vol de la suite 5, donc en partant de chiffre 5, devrait-il être décomposé de la façon suivante: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc ça va de 5 à 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, encore un élément de la suite, 7, 6, 5, écrit là entre crochets, 4, 3, 2, 1, où les nombres en caractère gras, donc 5, 16, 8, 4, 2, 1, représentent les paliers du vol, aussi appelés étapes. Ces altitudes perceptibles, où la séquence en caractère simple 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correspond à un mouvement ascendant durant lequel Icare passe, mais sans y demeurer longtemps, par l'altitude 6, puis 7, puis 8, etc. Où le chiffre 5 entre crochets dans la séquence 7, 6, 5 symbolise quant à lui un mouvement descendant, durant lequel Icare passe pour la seconde fois, mais très fugacement, par le palier d'altitude 5. De cette manière, les crochets se font symbole de la réminiscence. C'est une suite, on passe deux fois par le 5, le deuxième 5 est entre crochets. Alors, pourquoi entre crochets? Quel est le lien avec la narration? C'est que dans le récit, à plusieurs moments, les histoires d'Amer Ishak et de Amer Hazar, donc du grand-père et du petit-fils, se superposent puisqu'on retrouve entre crochets des phrases qui avaient été écrites au sujet d'Ishak à propos d'Hazar. Donc il y a tout un jeu sur le souvenir des réminiscences. Donc, peut-être vous pouvez nous parler un peu de comment vous avez construit cet aspect-là de la réminiscence. Si, alors, ça tombait bien, la conjecture de Syracuse permettait d'avoir une sorte d'appui mathématique à cette construction-là. Ouais, donc j'ai pris une suite, une salle par exemple, celle que j'utilise dans le chapitre, et après j'ai fait quelque chose qu'a priori je n'ai pas à faire d'un strict point de vue arithmétique, puisqu'on passe de 5 à 16 directement.
En me disant simplement, puisque l'idée était que ça pouvait servir d'une certaine façon à décrire une sorte de vol d'Icare, c'est qu'on passe pas de 5 à 16 sans passer par 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On y passe très très vite, donc il n'y a pas de palier, on s'arrête pas, enfin on y passe quand même. On peut pas passer de 5 à 16 comme ça. Et donc l'idée c'était de recréer une espèce de vol, et puis si je fais ça à chaque étape, je fais le vol descendant jusqu'au puits 4, 2, 1. Et donc à ce moment-là, si je suis monté, par définition je redescends, et donc, je repasse par un endroit où je suis déjà passé. Et à ce moment-là, c'est effectivement… Donc là, j'utilise les crochets comme métaphore de la réminiscence. Alors, ceux-là, en fait, les crochets, par exemple, je les fais après avoir écrit en fait tout le livre. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a l'histoire du grand-père et l'histoire du petit-fils, qu'à un moment ou un autre, il y a des intersections qui sont plus que des intersections. Il y a des intersections de récits, mais il y a aussi des intersections d'intention, de pensée, etc., entre le grand-père et le petit-fils. Donc, pour rendre compte… de ce que, sans vouloir appuyer trop fortement, j'aurais pu tout mettre en gras ou je sais pas quoi, mais ça aurait été, me semble-t-il, plus lourd. Donc l'idée, c'était simplement de mettre entre crochets ce qui se fait écho du passé, exactement comme durant la suite de la conjecture de Syracuse ou suite de Syracuse, on fait réminiscence. Donc l'idée, c'est simplement qu'on signale discrètement, comme on pourrait le faire dans une suite pour un nom particulier, le fait qu'il y a un écho là qui se fait avec le passé. Et comme, d'une certaine façon, le petit-fils vient demander des comptes plutôt, au nom de son grand-père, ça semblait assez naturel qu'il y ait cette espèce comme ça de réminiscence entre le petit-fils et le grand-père. Voilà. Ça fait partie, c'est un jeu, c'est aussi une façon de s'amuser avec, mais c'est un jeu qui, quelque part, prétend avoir quelques significations. Alors, on peut rester sur ces personnages de mathématiciens. Donc, Théséus et Hasard, c'est l'opposition. C'est une opposition. Il y a un choc, un conflit entre deux âges. Le mathématicien renommé, reconnu, proche de la retraite, et le très jeune mathématicien. Deux cultures aussi. L'un est français, l'autre est algérien. Deux approches de la même question mathématique, deux façons d'aborder la démonstration de la conjecture de Syracuse, alors, deux côtés d'un conflit armé également. On se demandait avec Catherine si vous aviez eu des sources d'inspiration pour l'un et l'autre de ces personnages. Alors, on pensait au mathématicien Maurice Audin, par exemple, pour développer un petit peu. Mais voilà, comment se sont construits ces personnages et cette dualité? Quelles sont vos sources d'inspiration? En ce qui concerne Thésée, donc le personnage, Théséus, le personnage du mandarin, entre guillemets, c'est pas un personnage en particulier, c'est une combinaison linéaire, un certain nombre de gens que j'ai dû croiser dans ma carrière, mais il n'y en a pas un en particulier. Donc c'est un certain type de comportement que tous les universitaires connaissent, dans une institution universitaire, voilà, il y a des gens qui sont. C'est très bien écrit, on s'y croit. Hasard amer, donc le jeune mathématicien prodige, lui en revanche m'a été inspiré par un étudiant que j'ai eu, qui était un étudiant très brillant que j'ai eu, qui était major de sa promotion dans le master que je dirigeais, et qui avait, quand on discutait avec lui en dehors des cours, une attitude, donc il était algérien, et il avait une attitude extrêmement agressive vis-à-vis de la France coloniale, alors qu'il venait faire ses études en France. En fait, il était dans une démarche très agressive. Et cette agressivité, d'ailleurs, allait jusqu'à ses camarades français et à d'autres enseignants. Et donc, ce type m'intriguait, d'abord parce qu'il était très bon, et ensuite parce qu'il avait cette espèce d'attitude un peu étrange. Et donc, à la fin de, quand on lui a remis son diplôme, qu'il était major de la promotion, etc., je l'ai donc invité à aller boire un verre, et j'ai discuté avec lui, pour essayer d'en savoir un peu plus. Et une chose étrange s'est produite, et c'est pour ça que je pense qu'il m'a directement inspiré ce personnage. En fait, donc moi, je suis fils d'officier, mon père a fait la guerre d'Algérie, donc ça, c'est aussi sans doute pour ça que j'avais une certaine sensibilité sur la guerre d'Algérie. Et en discutant avec cet étudiant, je lui demande, mais d'où êtes-vous en Algérie? Et il me donne un nom dont j'avais effectivement déjà entendu parler, parce que c'était l'endroit où se trouvait mon père, pendant la guerre. Et on continue, je discute avec lui, et il finit par me dire que son grand-père, qui donc avait à peu près l'âge de mon père, que son grand-père était chef de Wilaya, donc chef rebelle du FLN, dans cette région.
Donc, il y avait une probabilité qui était relativement élevée pour que et mon père et son grand-père se soient retrouvés face à face dans une situation de guerre. Et puis que quelques temps après, 40 ans après, les enfants et les petits-enfants de ces gens-là se retrouvaient à boire un café pour discuter de mathématiques. Donc voilà, donc ce jeune homme m'a tout à fait m'a troublé. Et donc, c'est lui qui m'a inspiré le personnage de Lazare Amère et le réseau des coïncidences. Est-ce qu'il est au courant qu'il a inspiré ce personnage? Il est rentré. C'est pas un coïncident, mais il est rentré en Algérie parce qu'il voulait participer au développement de son pays, etc. Et 4 ans plus tard, il est revenu en France. D'accord. Parce que ça n'est pas possible. Travailler comme mathématicien. Peut-être qu'il le sait, ou je ne sais pas qu'il le sait. D'accord. Oui. On n'avait pas reparlé après. Alors, une question peut-être un peu plus générale pour s'approcher tout doucement de la question. Un angle sur l'écriture de la science. C'est celle des difficultés ou des défis à parler de sciences physiques et de mathématiques dans un texte littéraire publié chez Gallimard. Est-ce que ça a été un enjeu pour la publication? Est-ce qu'il y a eu de la part de l'éditeur, par exemple, des attentes ou des exigences de modifier des choses pour que ce soit plus clair ou non? Enfin voilà, comment s'est passé le processus d'écriture et d'édition? Et ensuite, vous m'en aviez déjà un petit peu parlé, mais pourquoi n'y a-t-il plus ensuite de récits scientifiques dans votre œuvre littéraire? En fait, mon premier livre était sur Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, qui est un philosophe logicien qui a eu une influence assez importante sur la logique mathématique dans les années 60, 70, 80, maintenant c'est un peu... Enfin, il a fait un texte qui s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus, qui est un texte tout à fait étonnant, qui est un texte très important à une certaine époque de la logique mathématique. Et donc, j'avais fait un premier roman autour de Wittgenstein, pour une raison, là aussi, relativement anecdotique, c'est qu'il se trouve que Wittgenstein a été élève dans le même lycée et probablement dans la même classe qu'Adolf Hitler. Et donc voilà, je me suis demandé dans mon premier livre ce que les amis diables ont pu se dire quand ils s'étaient rencontrés. Bref, donc j'ai fait un premier bouquin là-dessus et il y avait dans ce premier livre une inspiration parce que je suivais en fait plus ou moins en filigrane un certain nombre de propositions du Tractatus, dont la dernière proposition qui est extrêmement célèbre, c'est ce qu'on peut dire, il faut le taire, qui est une proposition philosophique et logique qui veut dire que il y a des problèmes qui sont souvent des la position de Wittgenstein, c'est de considérer du premier parce qu'il y a deux Wittgenstein. La position du premier Wittgenstein, c'est le fait de dire il n'y a pas de problème philosophique, il n'y a que des problèmes de langage. C'est-à-dire il n'y a pas de problème en soi, c'est simplement parce qu'on a une difficulté à les exprimer. Et donc cette dernière proposition du Tractatus, qui est en fait presque un aphorisme, hein, ce qu'on ne peut dire, il faut le taire, est ce qui sert de trame en fait à mon premier. Et donc au cours de mon premier livre, j'ai inventé un truc avec des gens qui étaient théoriciens des jeux, que moi je connais un petit peu mieux là, de ce tableau-là, et qui utilisaient un certain nombre de raisonnements stratégiques pour faire avouer à Wittgenstein un certain nombre de choses. Enfin, peu importe, c'est presque un roman policier. Et donc il y avait des éléments dans ce livre qui étaient de nature logique, c'est-à-dire que là je parlais de quantificateur, je parlais de négation, je parlais de proposition, je parlais de choses qui étaient qui n'étaient pas très très usuelles dans le langage littéraire habituel. Et il se trouve que ce premier livre a pas mal marché. Et donc ça c'est pour expliquer pourquoi Gallimard n'était pas a priori spécialement réticent au fait que je puisse saupoudrer dans le livre des choses mathématiques. En revanche, ce qui s'est passé, et ce qui explique, ça c'est la réponse à la fin de votre question, pourquoi j'ai arrêté après de faire des romans dans lesquels je pouvais mettre de la science, c'est qu'il y a eu un moment donné où j'ai eu peur de devenir un peu captif, en fait, d'être l'écrivain qui fait des maths. Et donc, ça m'a saoulé. J'ai décidé, en fait, d'arrêter. Donc je suis passé à autre chose, et c'est la raison pour laquelle maintenant il y a moins de science. Ceci étant, dans mon dernier livre, il y a quand même un des personnages qui est l'assistant
de mathématiques avec le professeur Admar à Polytechnique. Donc il y a quand même des, et puis on le voit, il sait, il travaille sur la démonstration matérielle. Donc il y a quand même des petites réminiscences, mais au sens aussi important que la place qu'occupait le monde de la mathématique. Il n'y a jamais eu d'injustement, que ce soit pour ce roman-là ou pour le premier, il n'y a pas eu des moments où l'éditeur a dit non, bah, quand même, c'est trop de science, ou alors pas assez. Non, pas assez. Trop de science, non, pas assez non plus. Non, ce qui est arrivé, ce qui a pu arriver, c'est qu'on dit non, mais là, on ne comprend pas. Oui, voilà. C'est voilà. Donc, comme l'éditeur n'avait pas fait de maths, s'il ne comprenait pas, c'est qu'à priori, l'éditeur n'avait pas compris non plus. Donc, voilà, donc il cherchait à me faire travailler sur la forme éventuellement pour que ça devienne accessible. Donc finalement, vous vous êtes retrouvé à faire des boulots comme celui qu'on fait tout le temps, à savoir essayer de clarifier. Oui, mais une chose qui est extrêmement difficile et que par ailleurs, moi, dans mon domaine, par exemple, je n'arrive pas à faire, qui est le principe de vulgarisation. En ce qui concerne, je suis un très très mauvais vulgarisateur, je n'y arrive pas. Par rapport à ces maths plus abstraites que celles que j'utilise dans Sciences Po, c'est peut-être un peu jamais plus facile, sans doute, parce que je pénètre moins dedans. Et donc, de ce point de vue-là, quand on me demandait de faire un effort pour rendre intelligible quelque chose qui était peut-être un peu abstrait au départ, ça m'était relativement facile. Donc, en revanche, si on m'avait demandé la même chose sur des choses qui me sont plus proches, je pense que j'aurais eu des difficultés. On m'a déjà demandé de faire des papiers de vulgarisation, je n'ai jamais réussi. C'est bon. Peut-être que José peut nous parler de son livre. Je pense qu'il y a des exemplaires dans le cartoon qui est juste là et enfin, qui pourront être ensuite achetés par l'assistance. Mais est-ce que tu peux nous parler alors un petit peu de ce livre? Comment on en est arrivé à ce qui est un livre de vulgarisation. Qui est un livre de vulgarisation. Alors déjà, on est quatre auteurs. Disons que c'est un livre, alors comment dire, c'est fait de beaucoup de rencontres. Déjà, il y a la rencontre des quatre auteurs, donc on est trois collègues à faire de la recherche ensemble, et il y a Étienne Guillon, qui est un monsieur plus âgé, qui a plus ou moins fondé le laboratoire, enfin, en tout cas dans sa forme actuelle, et puis qui, à sa retraite, au lieu de continuer comme certains mandarins, à vouloir jouer un rôle politique important dans la vie scientifique au sens dur du labo, il s'est complètement dédié à faire de la vulgarisation scientifique et participer à plein d'actions, un petit peu la main à la pâte. Il se trouve que dans sa carrière, il avait été aussi directeur du Palais de la Découverte, etc. Donc, c'était quelque chose qui le tenait beaucoup à cœur. Et il nous a beaucoup entraîné dans des aventures, plutôt des conférences. Voilà, des choses plus de type conférences, aller dans des lycées, etc. Enfin, on a fait beaucoup de choses avec lui, des choses au Palais de la Découverte. Voilà, des tas de conférences plus ou moins modestes ou ambitieuses. Et donc, après, de fil en aiguille, c'est assez vite, assez vite dit, avec toutes ces expériences qu'on présente, peut-être qu'on pourrait en faire un livre. Et donc, au départ, on n'avait pas l'idée de faire un livre pour Flammarion, qui a quand même un côté un peu, peut-être c'est un grand mot, mais disons un peu plus beau livre que ce qu'on avait l'intention à faire à l'époque. On pensait plus à quelque chose d'un peu plus modeste pour un livre plus destiné à des profs ou des instituteurs. D'expliquer des phénomènes physiques sur lesquels on travaillait. Mais sur une collection peut-être un peu plus technique, plus dirigée vers des. Enfin, beaucoup moins pour grand public que ce qu'on a fait au final. Et en fait, là est intervenu l'éditeur qui aussi se trouve être un ami. Christian Cunillon, donc qui était dans une autre édition avant de passer chez Flammarion. Et donc, le fait qu'il passe chez Flammarion a aussi beaucoup changé l'approche du projet. Et donc, c'est devenu beaucoup plus grand public, avec une attention très particulière, en particulier sur toutes les illustrations, et avoir un format un peu plus propre que ce que nous avions. Un exemplaire pour le montrer en carton. Et donc, il y a dans ce livre, alors, dont le titre n'échappe, c'est du merveilleux dans. Caché du merveilleux caché dans le quotidien. Caché dans le quotidien, c'est ça. Donc, il y a un chapitre sur les cheveux, sur l'agrégation des cheveux. Alors, j'en lis un tout petit extrait juste pour montrer un peu comment c'est écrit, sachant qu'il y a une version qui ressemble dans la conjecture de Syracuse sous la forme de ces petits intermèdes en Italie. C'était drôle de voir les échos.
Quels sont les ingrédients physiques qui pilotent ici cette agrégation ? Inutile de s'arracher les cheveux, voici la réponse. Il s'agit d'un bras de fer entre l'attraction des lamelles et leur rigidité mécanique. Comme pour les châteaux de sable, c'est l'eau qui joue un rôle d'adhésif. De même qu'un château noyé par la marée se délite, un trop-plein d'eau nuit à la cohésion des lamelles. C'est ainsi qu'un pinceau ébouriffé le restera si on le trempe complètement sous l'eau, car il n'existera plus d'interface eau-air. Il ne prendra une belle forme pointue que s'il est humide, c'est-à-dire ni sec, ni totalement mouillé. Alors, ça explique un certain nombre de choses, mais sous une forme. Alors, il y a des jeux de mots, ouais, il y a des comparaisons pour essayer de faire émerger aussi des images pour que ce soit, j'imagine, plus parlant. Ouais, je ne sais pas si c'est toi qui as écrit ce passage-là. Alors, je crois que ouais, ce chapitre-là, c'est moi. Enfin, disons quand c'est tout. Alors, ça a été assez court. Enfin, la jeunesse du livre, c'est assez laborieuse parce que tout le monde a participé à tous les chapitres. Mais au départ, il y avait quand même un auteur principal du chapitre. Si ce truc, en l'occurrence, celui-ci, c'est moi qui l'avais écrit. Mais bon, après, tout le monde a un peu. Il y a un peu la patte de tout. Chacun des auteurs, des co-auteurs dans les chapitres. Et c'est vrai qu'on aime bien aussi. En tout cas, moi, j'aime bien le côté un peu ludique, un petit peu jeu de mots. J'adore Pérec, par exemple, dans le style un peu. Aussi un peu scientifique, et puis à essayer de mettre des petites femmes, enfin, cacher des petites, enfin d'abord là c'est très subtil, mais des petits clins d'œil, j'aime beaucoup les clins d'œil. Et rendre visuel aussi les phénomènes, enfin par la comparaison avec le château de sable par exemple. Alors c'est un autre chapitre du livre, mais enfin, j'ai l'impression que Ça c'est aussi c'est un rôle important de l'éditeur, c'est d'insister que comme c'est une quarantaine de petits, donc effectivement dans le livre il y a aussi un chapitre sur la cohésion des châteaux de sable, et donc l'idée c'était aussi de faire un lien entre de cohésion entre les différents chapitres de manière à ce que ça fasse un tout à peu près homogène. Donc il fallait que les chapitres se parlent un petit peu entre eux, donc forcément il y a des renvois comme ça d'un chapitre. Alors, une question pour tous les deux. Donc, il y avait tous les deux écrit des textes sur la science ou parlant de science. Est-ce que, quand vous écrivez, à ce propos, on avait prévu de faire une comparaison entre deux textes, mais bon. Je pense que ça va être un peu alors, compliqué. On ne pourra pas le faire parce que le PDF est parti quelque part dans l'éther et on a un petit peu de mal à le récupérer. Mais ce qui était frappant quand même, c'est que finalement, les deux textes se ressemblaient. Oui. Et ça a un rapport avec la question que tu vas te poser. Tout à fait. C'est quand vous écrivez l'un et l'autre, est-ce que vous avez en tête un lecteur idéal ou une lectrice idéale ? Est-ce que votre but, c'est d'imaginer quelqu'un qui n'y connaît rien ou au contraire, quelqu'un qui connaît déjà quelque chose ? Et peut-être plus précisément pour Antoine, est-ce que l'idée, c'était d'essayer de faire comprendre quelque chose ou de s'appuyer sur le caractère souvent hermétique et fascinant des mathématiques que peut avoir un lectorat profane. Donc c'est la grande question, c'est est-ce que vous aviez en tête un lecteur ou une lectrice particulière et voilà, comment est-ce que ça agit sur votre écriture? Dans mon cas, c'est plus facile. En effet, là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de très en public. Donc, même des enfants pourraient... Enfin, pas des petits, mais disons une dizaine d'années, puissent lire et comprendre. Donc là, du tout, c'était justement de ne pas être hermétique du tout. C'était au contraire d'ouvrir le plus possible et s'ouvrir à un public plus large possible. Ça, j'étais particulièrement attaché parce que je n'avais pas spécialement d'un milieu très littéraire, enfin d'un milieu familial très éduqué ou littéraire. Et du coup, je suis plutôt sensible à ce côté de pouvoir transmettre à des gens qui n'auraient pas forcément l'occasion de s'intéresser à des cheveux mouillés, de regarder, même si vous avez appris ça à l'école, il y a peut-être quelque chose de chouette, d'intéressant et de très accessible. Alors sur la question du lecteur idéal, honnêtement, je ne crois pas. Ou alors c'est moi-même. En dehors de ça, non. Et j'ai pas de démarche, j'ai écrit de manière générale,
il y a des choses, par exemple, difficiles de démarche pédagogique, a priori, c'est pas le but du jeu. Après, il y a l'éditeur qui est derrière, qui éventuellement dit, là, t'as peut-être abusé. Je pense qu'il y a une sorte de tension, souvent, entre quelque chose qu'on ne comprend pas, mais néanmoins qu'on peut un tout petit peu appréhender via quelques mots. Et parce qu'on ne comprend pas, ça génère du mystère. Et comme ça génère du mystère, ça peut être intéressant en soi. Donc, le fait d'être trop pédagogique, peut-être, dans ce que je cherchais à faire maintenant, d'une certaine façon, ça aurait nui à ce que je voulais dire. Et puis, par ailleurs, il y a l'autre idée. Les mathématiques, ce n'est pas une science, c'est un langage. Comme c'est un langage, ça a en soi un certain nombre de vertus qui sont des vertus de langage. Et entre autres, le fait que c'est esthétique. Et il y a une beauté du langage mathématique. Alors, il y a une beauté symbolique du langage mathématique, mais il y a même une beauté sonore des mathématiques. Et si j'ai utilisé quelque chose, plutôt que d'essayer de faire sens, c'était de faire son. C'était qu'il y avait de temps en temps. Et dans les petits chapitres, c'était plutôt ce que je recherchais. Si en plus, on arrive à comprendre quelque chose, c'est pas plus mal, mais c'était pas le but premier. Alors, je pense qu'on va peut-être bientôt ouvrir aussi la discussion avec le public. Moi, j'avais une dernière... Non, j'ai encore plein de questions, mais il y a une question que je voulais poser quand même à Antoine. C'est le point de départ, c'était le fils d'Ariane. Donc, on a le personnage de Thésée, c'est Thésée. Son épouse s'appelle Ariane. Et à propos de la conjecture de Syracuse, il est question d'Icare. Est-ce que dans ce roman, il y a un Icare? Est-ce qu'il y a un Minotaure? Alors, un Minotaure, oui. Chacun peut le trouver, mais un Minotaure, il y en a. Alors, je ne voudrais pas partir ni dans les grands mots, ni dans les grands concepts, ni rien. Mais un Minotaure, oui. Il y en a un qui traverse ce livre. Après, Icare, en fait, c'est Thésée là, qui s'avère en fait, devenir Icare, puisque le livre en fait, fait une espèce de parabole comme ça, et ça se termine pas forcément très très bien. Donc, oui, s'il y a Icare dans le livre, c'est Thésée. La réécriture de la mythologie. Voilà, mais jusque dans votre. Alors là, c'est peut-être pour parler d'un texte un peu plus récent, donc votre dernier roman. Dont le titre m'échappe à nouveau, mais le soldat Ulysse, donc qui ne parle pas, alors pas de mathématiques, à part ce personnage d'assistant, mais donc Ulysse permet d'évoquer les soldats de la Première Guerre mondiale. Oui, puis c'est aussi parce que ce roman raconte l'histoire d'un soldat qui est deux fois amnésique, il est amnésique parce que lui, il a tout oublié, mais la société l'a complètement oublié aussi. Et donc, il se retrouve dans une sorte de situation qui va. Et donc, ce que je raconte, c'est la quête, le retour vers Ithac. Est-ce qu'il existe Ithac déjà? En fait, la question du livre, c'est existe-t-il un Ithac? Alors, il semblerait que dans le livre, il y en ait plusieurs qui soient candidats, ce qui est embêtant. Et donc, on va demander à Ulysse d'aller reconnaître les Ithac. Donc, en fait, c'est pour faire vite, ça me vient. J'aime beaucoup utiliser de manière générale dans tous mes livres la puissance métaphorique de la mythologie que je trouve assez facile. J'avais aussi une dernière question. Donc, Hazar Ahmed, il arrive en France en septembre 2001. Et toutes les dates sont très précisément documentées. Et en fait, ça ne joue pas tant que ça. Non. Donc, pourquoi? C'est clairement fait exprès. C'est-à-dire que c'est un détournement. Alors, j'ai sorti en 2008, alors peut-être qu'en 2022, maintenant, c'est un peu moins évident. Mais en 2008, il existait encore une présence. Enfin, quand vous parliez d'abord, il y avait la guerre d'Algérie, pas la guerre civile algérienne qui était encore très, très fraîche. Donc, il faut savoir que, voilà, après la victoire des islamistes en Algérie, il y a eu 8 années de guerre civile assez sauvage entre l'État et les islamistes avec des jeux extrêmement très étrange, dont je parle un tout petit peu dans le bouquin. Donc, il y a une, un climat politique qui renvoie à l'idée que un jeune étudiant dont on comprend que non seulement son grand-père a été assassiné par les soldats français, mais sa famille en plus a été assassinée par des soldats algériens dans un contexte, encore une fois, de guerre civile, le transforme en une espèce de, peut-être, je sais pas, de bombe vivante dont on est malheureusement peut-être en droit
d'attendre qu'ils ne viennent pas en France uniquement pour faire des mathématiques. Et donc, il y a une espèce comme ça de jeu, qu'on va trouver malsain, mais qui me permettait de dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont considérer qu'ils viennent en France pour d'autres raisons. Et ça me jouera en fait de cas. Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être dans l'assistance? Oui, donc, moi j'ai une question. On a l'impression que la recherche de la documentation prend une place importante dans vos ouvrages. Et donc, la question, c'est comment vous trouvez ces sources? Est-ce que c'est par un ami physicien ou est-ce que c'est par des revues de vulgarisation? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'est-ce qui est le plus agréable aussi? Alors, vous avez raison, je passe beaucoup de temps à me documenter, beaucoup plus qu'à écrire. Ça fait partie du plaisir de la chose. Je passe beaucoup de temps sur Internet, en fait, tout à fait honnête. Après, j'ai, ce que je disais tout à l'heure, j'ai un fils qui est physicien. Mais, enfin, c'est dans les conversations comme ça. Donc, effectivement, un certain nombre de choses passent. Je lis pas mal de, enfin, à certaines époques, je lisais pas mal de bouquins d'épistémologie des sciences, dont la nourriture principale, c'est quand même essentiellement la physique. Voilà, et puis j'ai un certain nombre d'amis qui sont physiciens, etc. Mais pour l'essentiel, je dirais quand même que c'est après en me promenant sur Internet, sur les forums de physiciens, sur, où ils se racontent des choses qui ne se racontent pas dans les journaux purement académiques, de toute façon, ce n'est pas accessible. Il y avait une question au fond, et je précise pour les personnes qui nous écoutent à distance, qui peuvent poser la question dans le chat et on la retransmettra ici. Oui, en fait, ce qu'il faut préciser aussi pour l'ouvrage de vulgarisation, c'est qu'il faut faire des expériences. Ça, c'est important pour les jeunes, qu'ils puissent faire des expériences, parce qu'il n'y a rien qui remplace la compréhension par les expériences. Ça aussi, ça a été... Ça augmente considérablement la littérature. Ouais. Effectivement, c'était un de nos fils conducteurs, c'était d'avoir une petite expérience à proposer à chaque petit chapitre. Parce que là, c'est à partir de 10 ans. Après, oui, c'est vrai que certaines expériences sont. Alors, on les a toutes essayées pour être sûr qu'elles étaient à peu près faisables. Moi, je dirais oui, à partir de 10 ans. Hein, ouais. Donc, la conjecture de Syracuse, autant la conjecture elle-même est accessible à partir de 10 ans, parce que le prix s'est multiplié, le reste de l'ouvrage est moins attendu. Ouais, c'est pas à destination des gens. C'est pas à destination des gens. C'est la littérature adulte. Voilà. Il y a une version accessible aux jeunes de 10 ans. Il y a sûrement des ouvrages de vulgarisation sur les grandes théories mathématiques. Oui, je crois que ça existe. C'est pas notre. Oui, mais il y a peu d'ouvrages de romans plus spécifiquement qui effectivement traitent ou intègrent des aspects scientifiques à destination des enfants et des adolescents. Et c'est vraiment dommage parce que c'est pile poil le moment où ils sont vraiment à l'écoute totale. Après, ça devient un peu plus nébuleux. Et c'est vraiment dommage. Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Et ce que vous avez dit tout à l'heure sur la mathématique qui est plus la sonorité de la mathématique. Expérience perso, c'est comme moi, c'est comme ça que je suis passé avec mes enfants pour leur faire comprendre un peu l'intérêt des maths. Et à partir du moment où ils ont compris que c'était un langage, en soi, avec tout ce qu'il y avait, c'est une ouverture complètement... Ça me donne, je crois que vous avez raison, c'est absolument fascinant. La plupart des gens pensent que sans rentrer dans les doctrines épistémologiques, c'est pas le sujet, mais que les mathématiques, c'est comme la physique ou comme la biologie, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Mm. Je pense que là, pour le coup, il y a un problème sur l'enseignement des mathématiques. Alors, s'il y avait une question, j'ai juste une petite précision. Si vous êtes en recherche d'ouvrages pour les enfants ou pour les jeunes sur les maths, il y a un site qui s'appelle Literamath qui recense... beaucoup d'ouvrages pour les enfants, pour les scolaires qui parlent de maths d'une façon différente. Ça peut être une bonne source d'information et d'idées.
Moi, j'avais une question pour l'économiste, mathématicien, écrivain. Est-ce qu'il y a des auteurs, des romans qui ont joué un rôle important, qui vous ont émerveillé, qui utilisent un peu le même genre de construction, qu'est-ce que c'est un imaginaire, avec, tel que je le comprends, une recherche derrière ça de logique, de lien entre les choses. Alors, on a parlé tout à l'heure de Georges Perec. Effectivement, on pense à Georges Perec certaines choses, mais il y en a peut-être d'autres que vous ne connaissez pas. Alors, l'Oulipo, de manière générale. L'Oulipo, voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas, pour être tout à fait honnête, hein, je n'ai pas une passion pour Perec. Oui. Mais il y a un auteur que vous connaissez pas qui s'appelle Jacques Roubaud. Roubaud. Oui, on l'appelle un peu. Ben, Roubaud, qui est un mathématicien qui écrit. Et il a en particulier, enfin, j'ai souvent un recueil que j'ai eu il y a quelques longues années, mais qui était sur la sémantique des mondes possibles de Lewis. Donc c'était plutôt en logique. Qui était un texte absolument incroyable. Alors, bon, c'est clair, alors là, c'est pas par exemple en me disant c'est sûr, c'est, après, faut y aller comme, faut vraiment le prendre comme un recueil de poésie. Et là, pour ce qu'on disait sur la sonorité, sur le caractère, moi j'ai toujours, dans mon souvenir, j'ai toujours trouvé que les maths c'était poétique, il y avait un côté poétique dans les maths. Et le fait qu'on n'en parle pas beaucoup, je pensais quelque part être un peu étrange. Et en fait, non, là, en l'occurrence, Foucault, il tire à fond sur cette veine. Et il écrit un recueil donc, qui respecte un certain nombre de la construction de la sémantique des mondes possibles. Rien n'est faux. Et en même temps, il se sert des mots, il les agence d'une certaine façon. Et c'est comme un recueil, c'est exactement comme un recueil de poésie. Après, au bout, il a essayé plein d'expériences. Il y a une chose qui, dans l'Oulipo, me gêne toujours un peu, c'est le côté systématique. Oui. Voilà, après, ça a un côté virtuosité qui me. La disparition, ok, 700 pages, 109, super, mais enfin, je reste assez droit. Après, il y en a qui sont plus amusants, parce que par exemple, l'indie mode d'emploi, le fait de prendre un échiquier, se déplacer d'une fenêtre, en suivant ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Vous êtes à la fois chercheur et tous les deux écrivain, et je me demandais si on pouvait dire qu'il y a un acte de créativité forcément dans l'écriture. Est-ce qu'il y a, selon vous, un acte de créativité dans la recherche? Et si oui, quel est votre moteur? Est-ce que votre moteur personnel pour être chercheur et écrivain est le même? Absolument. C'est une excellente question et je pense que c'est exactement le même. À tel point d'ailleurs qu'il y a une sorte de base communicant. C'est-à-dire que dans les périodes où je fais plus de recherches, j'ai plus de mal à écrire et vice-versa. Il y a comme s'il y avait, je sais pas, une certaine quantité de créativité que j'avais et que si je pompais trop d'un côté, j'en avais pas assez pour le reste. Mais sinon, le principe, même à l'extrême limite, la mécanique du truc est quasiment la même. C'est très intéressant parce que moi, je suis chercheur et j'ai adoré dans mon métier être créatif, créer des objets, des instruments. Et je pense une découverte et une certaine part de création aussi quand on découvre. Sûr. Et là, je vais partir à la retraite dans 2 mois et j'ai l'ambition de devenir écrivain. Mais je ne sais pas du tout si je serai doué pour ça. Mais ce que vous avez, comment vous avez écrit, enfin, décrit vos mots pour dire que comment vous avez construit votre livre, j'ai l'impression que vous jouiez. Oui. Et moi, dans ma carrière de physicien, j'ai adoré jouer, à faire des expériences. Et le caractère ludique de la science, c'est très ludique, c'est hyper ludique. Si ça devient un travail, dans un certain sens, on va dire un peu trivial du terme, ça marche ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord, ça m'encourage. Merci. D'autres questions dans l'assistance? Oui, une question, mais elle est assez proche finalement de celle que vous venez de poser. Vous avez parlé de votre difficulté à vulgariser les choses sur lesquelles vous travaillez. Est-ce que ce serait la même chose pour l'écriture? C'est-à-dire, c'est difficile d'expliquer le processus. Alors, c'est un petit peu genre, je pense que les quelques rares fois où on m'a demandé de faire des articles de vulgarisation sur un truc, quand on a pris le même, comme ça. Le problème, c'est que j'ai une très très grande difficulté à arbitrer entre les détails qu'il faut taire pour être accessible et puis l'essentiel de ce qu'on doit raconter. En fait, j'ai toujours l'impression que si j'enlève tel détail, c'est n'importe quoi. Donc, je n'arrive pas à faire cet arbitrage.
Maintenant, dans l'écriture, l'avantage de l'écriture littéraire, c'est qu'on est quand même beaucoup moins contraint, même s'il y a quand même des contraintes, même si ce n'est pas aussi bien, c'est pas un système aussi, on pourrait le voir. Mais on est quand même beaucoup moins contraint. Après, le fait de parler de l'exercice littéraire lui-même, honnêtement, pour fréquenter quand même pas mal d'écrivains, je pense que c'est... Autant si vous écoutez des scientifiques vous raconter leur vie de scientifique, les expériences vont être... Même quand le domaine est très différent, il va vraiment y avoir quand même un noyau qui est à peu près le même. Et dans ce noyau, on va trouver des éléments comme par exemple effectivement, la créativité, le plaisir, le jeu, ce genre de choses. Maintenant, quand vous discutez avec des écrivains, c'est beaucoup plus différent, c'est beaucoup plus hétérogène. Les raisons pour lesquelles les gens écrivent sont beaucoup plus différentes. Il y en a qui écrivent dans la douleur, il y en a qui écrivent dans le plaisir. Je crois honnêtement qu'on va avoir plus de mal à trouver un noyau commun en prenant 50 écrivains qu'en prenant 50 scientifiques, quel que soit leur domaine. Je pense que c'est plus facile. Une expérience dans la pratique scientifique, alors peut-être que ça s'explique parce que. Mais non, même pas en fait, parce que les écrivains aussi, à la fin, il y a le même objet. Donc, mais, non, je crois qu'il y a une hétérogénéité en littérature qu'on trouve peut-être moins. Ouais. On entend souvent parler, quand j'étais pas dans un lycée, moi, on entend les élèves dire j'aime pas les mathématiques. Est-ce que vous avez parlé à ceux qui écrivent les programmes de la poésie des mathématiques? Non, mais c'est pas. Quand on voit les programmes, la poésie de loin. Est-ce que vous discutez avec les gens qui ont les programmes? Parce que c'est intéressant. Non, alors on entend parler dans les lycées, les maths. Moi, j'étais prof de physique chimie. Bon, j'utilisais les maths en petit, j'allais dire. Mais j'entends les élèves, je marque, oh là là, on a un problème de maths, on a un peu de maths encore. Comment on pourrait parler de la poésie pour essayer de les intéresser aux mathématiques? Ben, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est. Je crois honnêtement que ça, c'est un aspect auquel. Enfin, moi, j'ai eu des profs de maths quand j'étais au lycée. Enfin, je me souviens d'un en particulier. Qui quand même avait ce côté ludique. Ça existe. Ouais, ça existe. C'est-à-dire que les maths, on peut s'amuser en faisant des maths. Il y a une espèce de jouissance dans la pratique des mathématiques. Alors après, j'en ai une autre qui était effectivement beaucoup plus laborieuse, mais après, je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas regardé beaucoup les mathématiques, mais je suis d'accord sur le fait, mais je ne sais pas seulement en France, hein, d'ailleurs, c'est internationalement vrai. Il y a dans la transmission des mathématiques au collège et au lycée, c'est une véritable catastrophe. On a l'impression qu'ils s'ennuient déjà dans le livre. Donc, je suis d'accord. Oui. La conjecture de Siracide a un côté biographique intéressant. Dans le style carnet de voyage, hein, je vois Serge Laroche qui est excellent sur la lumière de Vélé, qui est sorti aussi en anglais. Mais il y a d'autres styles journalistiques, par exemple Svetlana Alexeyevitch, La prière de Tchernobyl. C'est vraiment une approche journalistique extraordinaire où il y a des éléments de physique et chimie. Il y a quelques romans policiers aussi. Mais c'est terrifiant à lire. Je connais des personnes qui ne se comprennent pas. Chez Conan Doyle, il y a des éléments de terrorisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Catherine? Moi, il m'en reste une dernière. Parce qu'il n'y a pas ça, on a un peu fait le tour. Merci. Les yeux verts. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas en français, c'est pas la prière de Tchernobyl, c'est la supplication. La supplication, ouais. Donc, quand vous allez mettre le type exact, on va tous repartir avec plein de références. Il y avait une question. Oui, ma question, c'était est-ce qu'à l'inverse, en mathématiques, vous avez envie de parler littérature parfois avec les étudiants? Est-ce que on peut dire, est-ce que ça, si vous dites, ça vous nourrit dans les deux sens? Est-ce que ça vous arrive de le faire? Alors, pendant très très longtemps, j'ai commencé à écrire, j'étais pas tout jeune, j'avais déjà plus de 40 ans. Je voulais absolument qu'il y ait une disjonction totale de mes activités universitaires et mes activités littéraires. Donc, si jamais un étudiant me parlait de je ne sais pas quoi, je repoussais, je ne voulais pas en parler.
Et puis bon, le temps, non, c'est bon, ben, j'ai commencé à me détendre avec ça. Et donc, ça m'arrive maintenant d'en parler un peu. Mais c'est toujours un peu compliqué, voilà. Non, alors je n'en fais pas état, je fais des cours, je n'en fais pas état dans mes cours, jamais. Quand j'ai une question, je réponds, plus, sans doute plus aimablement que j'aurais répondu il y a quelques années. Et c'est tout, quoi. Je ne vais pas aller très profondément. Et de temps en temps, il y a, à propos du Wittgenstein, il y a un bouquin de, je ne sais plus comment ça s'appelle, un prof de littérature qui a publié un bouquin sur la façon dont. Sur le rapport entre littérature, théorie des jeux, etc. Il y a, par ailleurs, quand on cherchait des liens, il y a Jane Austen. Et Jane Austen et la théorie des jeux, il y a un volume, c'est en anglais, c'est un auteur américain qui a fait un volume entier sur de la mise en modèle en fait, de situation chez Jane Austen. D'accord. Si ça vous intéresse. Ah, oui. Oui, donc je pense que c'est très compliqué de dire à des étudiants, à la plupart d'abord, parce que les étudiants n'ont pas forcément une appétence très folle pour la littérature. Et alors, autant par exemple Wittgenstein, où j'ai pu parler de Wittgenstein, je fais un cours sur le Common Knowledge et que j'ai besoin de logique. Logique de Kripke, donc j'utilisais la logique de Kripke, donc là j'ai parlé de Wittgenstein. En dehors de ça, peut-être que j'ai dû faire référence au moins une fois aux cheveux quand j'enseigne les théorèmes d'agrégation. Ça, je crois que j'ai un souvenir de l'avoir fait. En dehors de ça, non, je ne parle pas de. Non, c'est, tout à fait honnêtement, je ne parle pas de l'hôpital. Ça arrive quand on voit les étudiants en dehors, mais pas pour nous. J'avais une dernière question. Les yeux verts. Il y a une récurrence des yeux verts. Il y a beaucoup de récurrence dans le livre. Oui, mais cela, il n'y a pas d'explication. Pourquoi est-ce que, à un moment, je me suis demandé est-ce que ça veut dire qu'en fait, Thésaeus serait le père de. Parce que. C'est un caractère récessif. Quelque chose. Il y a une raison. Non, je ne sais pas s'il veut la donner, l'école. Mais s'il faut. Ah, si, ouais. Non, il y a une raison. Le vert, en plus, le vert que j'ai en tête est un vert qui est presque plus kaki que le vert. D'ailleurs, je crois que je dis à un moment que ce n'est pas été le marron. En fait, c'est vraiment, c'est tout à fait anecdotique et puis c'est complètement personnel. Donc, ça n'a pas. Enfin bon. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon père était officier. Et il y avait une blague dans la famille. Alors, je ne sais pas si ça vient de ça, mais mon père s'appelait Daniel, donc c'était Daniel Pio, DB, comme division blindée. Et il avait les yeux kaki. Et il a fait ça. Et donc, il y avait quelque chose comme ça qui, dans ma tête, les yeux verts comme ça, c'est quelque chose qui renvoie à la guerre, qui renvoie à quelque chose de militaire. Y compris dans Ariane, qui aurait donc été, d'une certaine façon, marqué par ça. Pas seulement Azan. Ariane, il y a le père. Mais ça, c'est presque tout. Bah, les yeux marrons, parfois, ça peut être. Les yeux verts, ça peut être clair, ça peut être marron, ça peut être c'est plus ambigu. Mais non, c'était la guerre. J'aurais écrit des yeux kaki, ça aurait été moins joli. Pour finir, peut-être en guise d'envoi, d'ouverture, une question pour tous les deux, c'est. Et ensuite, qu'êtes-vous en train de faire, d'écrire, sur quoi travaillez-vous? Quels sont les projets pour le futur du chercheur en vous, de l'écrivain en vous? D'accord, moi je ne suis pas du tout. Donc là, c'était une super aventure. Disons que je n'en ferai pas ma profession, je suis vraiment avant tout chercheur, enseignant. Mais en fait, il y a quand même. Aussi un défi conducteur de ce livre, c'est de voir une forme d'élégance, une forme de. Il y a un côté un peu esthétique aussi, de trouver des choses belles, même dans les choses qui peuvent être peut-être assez banales. Même dans notre mèche de cheveux mouillés, finalement, on peut trouver une certaine forme de beauté, il y a cette espèce de régularité, de choses un peu, presque un peu mathématiques qui apparaît dans cette agrégation. Et du coup, on s'est beaucoup intéressé aux formes. Et là, on essaie de fabriquer des structures qui changent de forme, par exemple, quand on les gonfle, quand on les active d'une certaine manière.
Et donc on a voilà, cette ouverture vers la physique des formes. Et je pense que le livre a dû contribuer pas mal à faire aller dans cette direction. Et en particulier, en écrivant le livre, on a aussi beaucoup discuté avec des gens qui font des artisans d'art, on va dire. Donc, moi, j'adore beaucoup l'artisanat. Et en fait, quand on discute avec eux, souvent, c'est des gens qui sont très, très proches de la physique que je fais. Enfin, qui sont très proches de la manière de... Leur démarche est vraiment très proche de ce qu'on fait. Et du coup, moi, je me dis, mais finalement, je suis un peu un artisan de la science artisanale, d'une certaine manière. Enfin, je ne suis pas du tout... tout à l'heure, on parlait de musique. Enfin, musicalité, alors, je ne sais pas si enfin, le rapport est quand même peut-être... Comme, par exemple, peut-être un peu stupide, mais j'imagine qu'en science, tu vas avoir l'équivalent de la musique classique, Bach, Mozart, enfin, des choses... hyper établi, je ne sais pas, peut-être que l'analogie, ce serait ce qui semble quand j'en sais rien, des choses bien, bien, bien propres. Et puis, moi, je vois que dans notre équipe, on a une version beaucoup plus jazz de la science. Et donc, voilà, ça peut improviser, ce n'est pas forcément toujours complètement arrondi, ce n'est pas très grave si les gens applaudissent au milieu du pièce. Et chez les artisans, il y a un peu ce côté-là aussi, ils ne se disent pas artistes, ils n'ont pas cette prétention de se dire... artistes ont souvent travaillé pour des artistes, mais malgré tout, il y a aussi cette créativité, on va la retrouver chez eux. Et on en a beaucoup discuté avec, il y a un gars fantastique qu'on a rencontré, qui fait dans le métier de faire des plis. C'est un peu bizarre. Et donc, il fait des plis sur des tissus. Et donc, ces tissus, après, sont utilisés par les maisons de haute couture, les Chanel et autres, pour faire des robes et des choses. Et donc, il va faire des plis très, plus ou moins réguliers, enfin, en tout cas, bien calibré. Et c'est un métier, mais qui, si j'avais pas écrit si j'étais pas retrouvé dans ce livre, j'aurais jamais rencontré monsieur Jarre Lognan, qui est maître plisseur, et dont l'arrière-grand-père faisait les plis pour l'impératrice Eugénie, à 150 ans. Ça a été aussi l'occasion de rencontrer des gens, mais assez fantastique. Rencontrer un souffleur de verre qui est incroyable, vu de loin, il est tatoué, enfin, il a toute sa vie tatoué sur ses bras. Enfin, je n'ai vu que les bras. Mais il fait des pièces incroyables. Enfin, c'était aussi c'était l'occasion. Et puis, il y a eu un parcours ultra chaotique. Enfin, il y a un côté un peu, je ne sais pas comment dire, punk. C'est vraiment, mais c'est fantastique. Il est capable de faire des objets. Mais, et donc, ça, c'était vraiment très riche. Et du coup, notre recherche actuelle est pas mal influencée par ces gens-là. Une question. Oui. Une remarque. Il n'a rien à voir. Le Mac est en train de s'éteindre. Ah, si, c'est ce que vous voulez. Le Mac, oui. Okay, il fait sa vie, ouais, c'est pas très bien. Et bien, du coup, même question. Moi, je travaille sur un théorème en économie mathématique qui s'appelle Agree to Disagree, qui est les conditions sous lesquelles des agents peuvent être d'accord pour ne pas être d'accord. Il y a un théorème assez mystérieux. En fait, c'est le théorème d'Oman qui a le prix Nobel, pas très longtemps. En fait, on arrive à démontrer que si un prior commun au départ, donc des gens ont une conviction au départ, on leur balance n'importe quelle information, donc a priori, ils sont censés réviser de manière différente si les informations sont différentes. Et malgré cela, s'il est common knowledge, si le postérieur de l'autre est common knowledge, quelle que soit cette information, à la fin, ils pensent à la même chose. C'est un théorème mystérieux. Qui présuppose une espèce de forme, enfin des partitions sur l'espace des temps, enfin peu importe. Donc je m'intéresse à ça et j'essaie d'introduire de la myopie chez les agents, c'est-à-dire que je pose la question de savoir que se passe-t-il si eux ils sont parfaitement rationnels mais s'ils observent mal les signaux de croyance envoyés par l'autre, que se passe-t-il ? Et je pensais obtenir une chose et j'en ai obtenu une autre et je trouve que c'est presque mieux. Donc, voilà. Et puis en littérature, je travaille sur. L'affaire Stavisky. Ça ne vous dit rien. L'affaire Stavisky, c'est une affaire très très célèbre dans les années 30, parce qu'elle a été. Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est ce qu'on dit en général. Elle a été à l'origine de la crise du 6 février 34 et de la chute du cabinet Chopin, etc. Elle a une propriété. Enfin, pas de propriété. Elle a une histoire particulière, cette affaire Stavisky. C'est que c'est une pyramide de Ponzi. Ouais. Stavisky est un escroc. Qui a monté une pyramide de Ponzi. Et donc, je me suis intéressé à cette histoire parce qu'en fait, je suis retournant sur l'histoire de Ponzi, Carlo Ponzi,
Il s'avère que, je ne sais pas pourquoi on appelle ça une pyramide de Fondy, mais on aurait pu appeler ça une pyramide de Stavisky. Et donc, je trouvais très dommage que Stavisky ait été floué. donc, j'ai commencé à m'intéresser à cause de, plus ou moins à cause de ça, et donc, voilà, j'ai écrit autour de moi. Je pense qu'on peut clore là cette rencontre. Merci. Il y a quelques exemplaires des deux livres qu'on a évoqués longuement ce soir. Si vous souhaitez les acquérir, ça va être auprès de Catherine. Voilà. Et éventuellement les faire dédicacer par leurs auteurs. Merci beaucoup et merci aux personnes qui étaient en visio.